Petite, elle se rêvait ballerine. Adulte, elle accepte de participer à Danse avec les stars, mais pour d'étonnantes raisons. En 2017, Valérie Damido foule le parquet de TF1 au bras de Christian Millette. Je ne sais pas pour quelle raison. Quest ce qui m'a pris ? Lance-t-elle avec humour sur le plateau de Quelle époque ? France 2, ce samedi 24 juin. À cause de Lionel, lui glisse Léa Salamé, avant que son invité ne précise, à cause de mon banquier. Et glisse, si est-il totalement financier, bien sûr. L'ancienne animatrice de l'émission a succédé et CO précise alors, un peu mon banquier et aussi la ménopause. Parce que quand tu commences à être ménopausé, et ce n'est pas un gros mot, tu fais des conneries comme quand tu as 14 ans. T'es con en fait. Oh, il faut chaud, tu mets des crop tops, si est-il n'importe quoi. Et là, j'étais, oh oui, bien sûr, faire de la danse. Si est-il n'importe quoi. De son passage dans Danse avec les stars, elle se souvient alors, j'ai dansé. J'ai usé mes pieds avec des talons. C'était terrible. Supérieur à supérieur à Louane, Ingrid Chauvin, Michael Youn. Ces célébrités n'ont pas voulu fouler le parquet de Danse avec les stars. Dance avec les stars, un défi personnel pour Valérie Damido, une expérience que l'animatrice raconte dans son seul en scène, Valérie Damido s'expose, jouée au théâtre du Marais. À l'époque, elle confiait déjà aux Parisiens, j'aime bien les trucs de dingue, être là où personne ne m'attend. Un défi personnel commencé dès le premier jour, quand Christian Millette a demandé à la journaliste qui nous suit de filmer notre chorégraphie. Elle a filmé 30 secondes, et Christian m'a alors demandé de me regarder à l'écran. Et vous savez ce que je me suis dit, c'est sympa toute cette graisse qui bouge. Mon premier pari est là, m'accepter comme je suis, expliquait-elle à Télépoche. Après avoir participé à Danse avec les stars, si est-il sur le plateau de Masque Singer que le public a retrouvé la mère de famille en renarde. Là encore, Valérie Damido ne manque pas d'anecdotes sur l'émission. Le masque, il fait 4 kilos. Je suis claustro, je passe ma vie à lever le masque, s'est-elle souvenue. À partir du moment où tu le lèves, tu as 250 personnes qui se jettent sur toi, ah non. Si est-il interdit. J'étais là, les gars, tout le monde m'a reconnu, je crois. Ironise-t-elle dans quelle époque? Crédit photo, capture d'écran Quelle époque France 2.